Nang's Reborn. Wow! Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. Oui, c'est un réel plaisir pour nous de vous revoir aujourd'hui, surtout que nous nous retrouvons encore dans une autre vidéo. Analyse. C'est extraordinaire. Ok. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Nang's Reborn, nous avons fait des témoignages puissants, une série de témoignages puissants, et c'était vraiment des témoignages vraiment puissants. Et ce qui est étrange, c'est que lors de ces témoignages puissants, nous avons découvert des informations, beaucoup d'informations, et une information vraiment assez compliquée qui m'a vraiment touché et que nous avons décidé de choisir pour faire la vidéo analyse du jour. Et cette vidéo va parler de ou du football. Regardez-moi ça. Ouh! Que voyez-vous à l'écran? C'est extraordinaire. On voit carrément un stade, n'est-ce pas? Oui, ça s'appelle un stade de football bien rempli. Waouh, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a été dit par rapport à cette histoire du football? Dans le témoin puissant, il a été dit que, vous pouvez regarder ce témoin puissant, c'est toujours même à l'arrière de cette vidéo, c'est-à-dire dans le témoin puissant du jour, ça parle tout simplement des démons du football. Dans ce témoin puissant qui parle des démons du football en question ici, on nous a révélé que le football est un dieu. Et ce dieu-là est un démon. Et ce démon-là est adoré par toutes les personnes qui supporte une équipe de football qui est en train de gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où les gens sont dans le stade en train de crier wouh, ils ont marqué wouh, ce démon là est tout simplement en haut, c'est-à-dire dans le stade mais en haut, et il regarde tous ceux qui sont en train d'applaudir en tenant avec une balle de football en main, et c'est lui qui reçoit toute la gloire. Toute la gloire. Ça veut dire qu'en ce moment, toute l'équipe est en train de penser qu'ils sont en train de tout simplement, ou encore tous les supporters sont en train de penser qu'ils sont en train de tout simplement, ils sont contents parce que l'équipe vient de gagner. Et c'est leur équipe qui rend toute la gloire. Or, la gloire est rendue à un démon. Et c'est ce démon-là qui est le démon du football. Ah! Comment c'est possible? Comment ça se fait? Est-ce que c'est réel? Moi-même, je me suis aussi posé la même question. Je me suis demandé, mais ah, moi j'aime le football, pourquoi on peut me dire ça ce matin? Je n'étais pas content du tout. Mais si Dieu a parlé un truc, il a dit un truc, il faut le croire. Il faut croire sans avoir vu. Maintenant, notre travail dans cette vidéo sera de rentrer sur le terrain et voir ce qui se passe réellement lorsque nous sommes là. Ou encore quand nous devenons supporters de football, même quand nous jouons dans l'équipe de football. Vu ce qui a été dit dans le témoin puissant, on nous a même dit que chaque équipe de football a un démon. Chaque équipe de football a un démon. Et où se trouve ce démon-là? On nous a dit qu'en général, ce démon-là se trouve dans l'équipe, bien entendu. Mais il y a des signes qui ne manquent jamais. C'est-à-dire, tu vas voir un dessin d'un animal sur le drapeau. Est-ce que tu as déjà vu ça? Mais bien sûr que oui. Tu vas voir des animaux qui sont dessinés dessus. On nous a dit que tous ces éléments-là, ce sont les éléments qui représentent ces démons en question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La première image que vous allez voir même déjà va nous révéler quelque chose de grave. Et regardez ça. Wouh! Que voyez-vous à l'écran? On voit tout simplement une équipe de football. Et cette équipe qui est là a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui a une tête de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ce qui est sûr, c'est que cette chose a des cornes. Or, nous, on sait que dès qu'on rencontre un truc pareil avec des cornes comme ça, ça représente un démon. Un démon. Parce qu'un homme ne peut pas être comme ça. Même dans l'une des vidéos de ce jour,
On a dit que une sœur qui a vu son frère avec une tête de chat en songe. Ici, c'est un homme qui est là en dessous. Oui, mais la tête, c'est la tête des démons. La tête d'une créature assez bizarre. Et cette créature a été tellement embellie que tout le monde pense que c'est une bonne personne. Puisque cette créature était de rire. Cette créature que vous voyez ici, là. Cette créature que nous voyons ici, là. Elle est là tout simplement pour nous montrer que derrière cette équipe, surtout certainement, une autre personne, mais qui n'est pas humaine. C'est ce que ça veut nous dire. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer la présence d'un tel truc pareil? Parce que la vie encore sur la terre, c'est un jeu. La vie la terre sur la terre n'est pas un jeu. Et nous sommes en guerre. C'est de toute façon, c'est pas tout. Regardez l'image qui suit. Quand on parle de guerre, on a l'impression que parfois le football devient la guerre. Regardez ça. Ici, on voit un joueur qui est carrément les pieds levés. On a l'impression qu'il a effectué un geste technique. Mais ce geste technique est en train de mal tourner. Puisque la tête de cette personne est en train de disparaître comme cette photo qui disparaît et qui revient. Mais regardez, c'est assez incroyable. Et regardez comment il crie. Est-ce que vous pensez qu'il crie de joie? Selon vous, est-ce qu'il crie de joie? Ça m'étonnerait! C'est pas de la blague. Et tous ces éléments, on les retrouve dans ce sport-là. Dans le football. Parfois, les gens sont blessés. Ça tourne pas toujours bien. Ce qui est sûr, c'est que ça tourne pas toujours bien. Parfois, les gens se battent sur le terrain. Ça peut mal tourner même. Si Dieu était présent là, pourquoi les gens allaient se battre comme ça? Même pourquoi les gens allaient parfois se blesser? Si tu ne comprends pas, il y a quelque chose que nous devons découvrir. Cherchons ensemble. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Quelqu'un m'a dit. Mais pourquoi nous poses-tu la question? C'est le diable! Ah! Mais qu'est-ce que le diable cherche encore ici? On peut voir que c'est la même image avec l'image précédente. Et quand on voit plus loin, on voit quelque chose de grave ici. On voit deux femmes avec des cornes encore. Des cornes toujours. Ça représente un démon. Ça même, je pense que à ce niveau déjà même, on peut s'arrêter. Ça représente un démon. Et nous, on pense que c'est de la blague. Et ça, c'est quoi? C'est une coupe. Ce qu'elle tient dans la main, ce qu'il tient dans la main, la personne qui est à côté d'elle, c'est une coupe. N'est-ce pas? Mais quand les gens jouent au football et qu'ils gagnent à la coupe, que font-ils? En général, ils donnent une bise à cette coupe-là comme ça. Tu es jolie! Ce qui se passe comme ça, là, comment ça s'appelle? On appelle ça l'idolâtrie. Ou bien, c'est pas ça son nom. Ok. Là, je pense que les choses deviennent claires maintenant. Quand on vient ici, what? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que les gens sont en train de faire? On a l'impression que les gens sont en train de transporter ici un dieu. Et cette créature que vous êtes en train de voir ici, qui sont en train de transporter ici, là, cette créature-là se trouve sur leur maillot. Et c'est cette créature en question qu'on appelle ce démon-là même. Si vous avez pensé que c'est de la blague jusqu'ici, là, cette photo vous en dit long sur le sujet même. Moi-même, je commence à croire que c'est vrai même. Franchement. Parce que regardez vous-même. Ça, c'est être un démon. Selon pourquoi un humain va transporter un truc pareil. Pourquoi? Donc, c'est ce démon-là qui est derrière l'équipe. Ou encore que les gens adorent. Mal à y croire, mais c'est pourtant ce que ça démontre. Le diable peut se cacher, mais il y aura toujours des signes qui vont nous montrer qu'il est là. Regardez, what? Regardez son visage. Et puis c'est un vrai démon, hein? C'est tout sauf de la blague. Et qu'est-ce que les gens sont en train de faire comme ça? Ils sont en train d'adorer cette créature. Et les gens sont en train de regarder ça et ils se disent que c'est normal. Regardez. On voit des gens qui sont autour d'un stade, un mini-stade.
Moi, la personne que cette salle est en train de bouillir comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. C'est une image qui nous montre que effectivement un stade peut représenter une marmite. Et tout ce qui se trouve dans ce stade sont en train de bouillir. C'est comme si on se trouvait dans la bouche de l'enfer. C'est ce que c'est censé représenter. Donc ça veut dire que ce lieu-là est en train de nous préparer à aller en enfer ou encore en train de préparer les spectateurs à aller en enfer. Les joueurs comme les fans. Ça m'étonne. Regardez. Est-ce que c'est faux? Pourquoi toujours des cornes? Posez-vous des vraies questions. C'est tout qui montre que le diable est là. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Et beaucoup de personnes ignorent la présence du diable dans le football aussi. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fans avec le même truc que cette créature-là tient dans la main. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle de telles choses? Ça s'appelle une adoration, une idolâtrie. Ou bien je me trompe? Ou bien je me trompe? Si je me trompe, dites-le-moi. Dites-le-moi. Regardez encore. Quelqu'un va dire que c'est une marionnette ou bien... Comment vous appelez ça, ce truc-là? Je suis étonné. J'avais l'habitude de regarder le football et je voyais ça. Je me disais que c'était normal. Mais après avoir regardé ce témoin puissant Seigneur Soubonne aujourd'hui, j'ai découvert véritablement que rien n'est fait au hasard dans ce monde. Et le diable veut vraiment que les hommes l'adorent. Donc il va tout mettre en œuvre pour qu'ils l'adorent sans le savoir. Tu aimes l'équipe, ton équipe, or sur le maillot, il y a un logo et ce logo est censé représenter un démon. Et parfois ce démon-là, on le représente physiquement comme ça. Et toi tu le vois comme ils ont représenté comme quelque chose, une créature qui rit. Tu te dis que, oh, c'est quelque chose de bon. Oh, le diable, il peut se déguiser en ange de lumière. Quand on va plus loin, les choses deviennent plus claires ici. Qui est-ce? Est-ce un féticheur? Est-ce un féticheur? Je vous pose la question. Ah! Mais pourquoi est-il en blanc comme ça? C'est parce qu'il est venu là sur le terrain pour faire des invocations, des incantations. Sur le stade. Ah! Oui! Mais est-ce qu'un gars comme ça peut venir à l'église? Pourquoi va-t-il venir là? Pourquoi vient-il dans un stade comme ça? C'est parce que c'est un lieu qui peut le recevoir. C'est un lieu où il peut entrer facilement sans être gêné. C'est parce que c'est un endroit aussi que le diable domine. Il y a dit, c'est un endroit qui appartient au diable. Est-ce que vous voyez? Ça m'étonne. Hein? Regardez, c'est un stade gigantesque. Combien de personnes y a-t-il dans le stade? Des milliers! Et quand ces personnes-là crient de joie, tu ne peux pas imaginer combien de fois le diable est content. Si c'est lui qui doit recevoir l'adoration, je suis vraiment dépassé. Rien ne se fait pour rien sur la terre vraiment. Regardez ça. Encore des cornes. Parce que c'est de la blague. Waouh, des supporters aguerris. Oh! Ça, c'est quoi ça? Là, les choses deviennent claires. Maintenant. Moi-même, je commence à comprendre. Franchement, c'est mon sport préféré. Bon, c'était mon sport préféré. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis obligé de ne plus aimer ça. J'ai même supprimé tous mes jeux de football. C'était mon sport préféré. Donc, je découvre ça avec vous. Et je suis dépassé. Regardez vous-même. Est-ce que ça c'est Dieu? Ou c'est le diable? Ou c'est un démon? Ou des démons? Je ne sais même pas. Regardez. Oh! What? Mais qui est-ce? Mais vu de la manière dont il est habillé, on peut dire que cet homme, c'est un adorateur du diable à 100%. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le foot? Il est venu tout simplement s'amuser. Il est venu supporter aussi son équipe ou adorer le dieu de cette équipe. Tout est possible. De toute façon, il y a des cornes partout.
Franchement, quand nous voyons ça au départ, on a cru que c'était du hasard, c'était de la blague. Mais la vérité est là. Sur le logo seulement, regardez bien le logo des équipes là. Il y a parfois des animaux. Parfois, tu vas voir un lion avec la queue de serpent. C'est quoi ça? C'était un démon. C'était des démons de l'enfer même qui est là. C'est un démon de l'apocalypse. Franchement, je pense que, sûrement, je pense que à ce niveau, déjà moi-même là, je suis dépassé. Je ne m'attendais pas à voir tout ça. Je suis vraiment étonné. Sur tout ça là même. Ça là. Mes frères et sœurs, nous voulons aller au paradis. Nous voulons aller au paradis, nous voulons aller au ciel. Mais avec de tels comportements, aimer le football, ça, franchement, je pense que ça va donner quelque chose qui risque de nous conduire là où on n'a pas envie d'aller. À la fin de cette vidéo, ces témoignages que nous avons eu ou nous avons vu les démons du football sera là. Regardez cette vidéo pour avoir plus d'informations. Et on se revoit. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche activée et c'est extraordinaire. Faites ce qu'il vous faut pour ne pas aller en enfer à cause du football. Je préfère dire ça. Parce que le témoin puissant que vous allez regarder qui va s'afficher à la fin de cette vidéo va tout simplement vous dire qu'effectivement, il y a des gens qui vont en enfer rien qu'en regardant le football, rien qu'en supportant le football, rien qu'en aimant un joueur de football. Franchement, ça m'étonne. Ne vous inquiétez pas, abonnez-vous et suivez-nous. Assurément, nous vous dirons d'autres choses qui vont vous permettre de comprendre cette histoire. Déjà, ce que nous venons de voir, c'est assez compliqué et c'est largement suffisant pour nous montrer que le diable est véritablement présent là et que nous devons faire attention. Que Dieu bénisse vos soeurs pour nous suivre. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yonce Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!